Alors là, je lui dis, tu mets du vinaigre dessus, tu verras, t'auras plus mal. Ils sont vraiment cons à 3 ans. Oh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une scène de mort héroïque. La scène de mort héroïque survient dans un film lorsque un des personnages se retrouve blessé fatalement et il pousse les autres personnages à continuer leur aventure et à le laisser derrière pour qu'ils retiennent les ennemis, bien qu'ils sachent qu'il va en mourir. On retrouve cette scène déclinée de manière différente, par exemple dans Le Seigneur des Anneaux avec Boromir ou dans Platoon. Pour ce type de scène, il faut montrer un dernier dialogue où le personnage qui va mourir parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation, mais qui fait référence à un élément qui semble avoir de la signification pour les personnages. Dans l'exemple que je vais vous montrer, on fera référence à une boîte à musique qui rappelle au personnage Clermont-Ferrand. Après le dialogue, lorsque le personnage qui va mourir se retrouve seul, il faut le montrer en train de se relever avec difficulté à cause de sa blessure. Il faut qu'il dise une dernière phrase et qu'il se précipite vers son funeste destin. Personnellement, moi j'aime bien quand le personnage qui va mourir est un peu un dur à cuire qui semble tout au long du film n'être intéressé que par lui-même, être égoïste, et qu'au dernier moment on va faire cet acte désintéressé, ce qui va donner de la profondeur au personnage, au film lui-même. Ce qui est aussi très important, c'est la musique. Il faut choisir la bonne musique. On doit forcément retrouver l'un des thèmes principaux. Mais l'accompagnement doit être arrangé d'une certaine manière pour faire ressortir tout le caractère triste de la scène. Pour le dernier dialogue, l'accompagnement descendra petit à petit dans les graves, comme ceci. En descendant comme ça, on augmente toute la tristesse et le désespoir de la scène. Cependant, après le dialogue, lorsque le personnage se relève, il faut justement inverser cet arrangement. Il faut faire monter l'accompagnement, petit à petit, comme ceci. Voilà, vous avez bien entendu, l'accompagnement monte dans les aigus, ce qui donne un dernier souffle d'espoir à la scène. Nous sommes prêts ? Regardons le résultat. Jackson! Est-ce que tu te souviens de cette boîte à musique qui était dans mon salon? Oui, bien sûr. Sa musique m'a toujours fait penser à Clermont-Ferrand, quand on y était, toi et moi. C'était les plus beaux instants de ma vie, Jackson. Je vais pas m'en sortir, petit. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en sortes. Dis pas ça! Non, ne sois pas idiot. Je suis foutu. Tout ce que je peux faire, c'est te donner un petit peu d'avance en les retenant ici. Je te laisserai pas comme ça. Il le faut. Il est trop tard pour moi. Dis à mon fils que son papa veillera toujours sur lui. Je lui dirai, Jackson. Petit ? Oui ? On aura toujours Clermont-Ferrand. On aura toujours Clermont-Ferrand. Casse-toi d'ici maintenant, petit. Je ne t'oublierai jamais, Jackson. Va-t'en, je te dis. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Je vous attends, bande d'enfoirés! On aura toujours Clermont-Ferrand. Et voilà, vous avez une scène de mort héroïque. Et si ça vous a plu, appuyez sur le pouce vert en dessous. Vous retrouverez aussi la musique dans la description en dessous et vous pourrez l'écouter et la télécharger gratuitement. C'est moi qui invite. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos amis. Et je vous dis à très bientôt.